Maintenant, nous allons découvrir une autre Italienne, Tiziana Di Pilato, très 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 belle. Voilà, jeune fille qui a beaucoup de rythme, très dynamique. Concentration pour la première ligne acrobatique, rondade flip, et Brice Altoyer carpé. Bien, 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 bien. À nouveau, Brice Altoyer carpé. Bien rattrapé, hein, parce qu'elle avait la tête en avant, hein, à la réception. Léger manque d'amplitude, mais une acrobatie d'un haut niveau technique. Voilà la dernière ligne droite. Tempo double vrille. Ah, moi j'aime bien. On verra sans doute mieux à l'occasion de cette finale par appareil au sol de ces Jeux méditerranéens, mais la prestation de Tiziana Di Pilato nous révèle tout de même une fille qui a d'énormes qualités acrobatiques et même un petit côté artistique qui mérite d'être regardé à la loupe.